C'est une monticule d'immondice que l'on aperçoit sur l'avenue Ikoukou. Ces deux potoirs dégagent une odeur nauséabonde, exposant les familles environnantes aux diverses maladies. À cela s'ajoute le rétrécissement de la route. Les gens souffrent ici, les ordures qui nous exposent, les embouteillages à chaque instant. Ces immondices proviennent du marché et même certaines personnes viennent jeter ici leurs ordures ménagères, surtout la nuit. Bientôt 2 semaines, ces immondices qui dégagent l'odeur insupportable sont ici sans être évacués. Et même la route s'est rétrécie à cause de ces déchets. Regardez maintenant l'embouteillage. Pour la population, malgré diverses taxes mises à leur charge, la situation est loin d'être décantée. D'où un SOS est lancé auprès des décideurs. La taxe d'assainissement est payée par les vendeurs. Malgré cela, les ordures restent sans être évacuées. Venez vite évacuer ces immondices. Nous sommes en danger. Par rapport à ces immondices, il y a beaucoup de maladies. Sur la même artère, on y constate une dégradation très avancée de la partie entre le marché et le bâtiment des Indiens. Les conducteurs des véhicules et motocyclistes peinent pour emprunter cette avenue. Aux autorités compétentes de bien remplir leurs responsabilités.